Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la classe qui me paraît actuellement la plus compétitive dans plein d'aspects sur Warzone, et c'est la classe RAM7 associée à la mitraillette LC10. Donc la RAM7 pour les engagements à moyenne longue portée et la LC10 pour la courte portée. Donc la RAM7, elle a une cadence de tir, un time to kill qui sont assez incroyables. Le seul problème, c'est que il faut pas se le cacher, à partir d'une certaine distance, il y a un recul qui est assez important. Avec la classe que je vais vous proposer, le recul est facilement contrôlable et on peut vraiment laser des ennemis à moyenne distance, voire à longue distance. Donc pour ça, déjà, pour augmenter cette portée, pour augmenter aussi la vitesse de balle qui est déjà assez importante avec la RAM7, on va utiliser deux accessoires qui sont donc le silencieux monolithique et le canon FSS Ranger, qui vont tous les deux augmenter la portée des dégâts, la vitesse des balles. Le canon FSS Ranger va aussi augmenter le contrôle du recul, et le silencieux monolithique lui permettra de ne pas apparaître sur la minimap des ennemis. Pour le viseur, il y a deux possibilités, soit la lunette VLK, mais comme c'est une arme qui a beaucoup de recul horizontal avec un mouvement de balancement entre chaque balle gauche-droite, il me semblait plus juste d'utiliser un viseur avec une vision plus nette, une image plus nette, et pour ça le viseur donc de combat éclaireur avec le réticule posté me paraissait bien plus adapté. Ensuite donc les munitions, il n'y a pas vraiment le choix, c'est 50 cartouches et il faut les prendre pour être confortable. Et enfin pour contrôler le recul, moi sur manette, sur PS4, je trouve que la poignée avant de commando elle est pas suffisante, donc j'ai mis la poignée tireur d'élite. Le temps de viser est pas si long que ça, mais ça va de soi qu'il faut jouer cette arme avec une mitraillette et pas en soutien d'un snipe. Cette arme, cette classe de la RAM7, elle fait vraiment mal, et quand on l'associe à la LC10 pour le combat rapproché avec donc le silencieux agency pour le côté silencieux, la vitesse des balles, la portée des dégâts. Moi j'ai pas débloqué le dernier canon, mais je mets le 11.9 et il va très bien pour ce qui est portée des dégâts, vitesse des balles. Ensuite en cross, j'ai pas débloqué la dernière, j'ai pas encore testé l'avant-dernière, mais j'avais déjà mis la deuxième et elle permettait d'augmenter de diminuer le temps de transition du sprint au tir. Et en fait c'est vraiment intéressant ce genre d'accessoire, puisque ça augmente pas ça diminue pas le temps de viser, ou ça augmente pas la vitesse de visée. Par contre ça le fait quand on passe du sprint au tir, donc typiquement quand on est en mouvement, et c'est typiquement ce qu'on va faire avec une mitraillette quand on va rusher tout ça. Donc cet accessoire me paraissait adapté, d'autant plus qu'il n'y a pas d'inconvénient. Pour les munitions, il faut être confortable, donc il faut prendre le 55 cartouches, sachant qu'en plus la LC10 a une cadence de tir qui est complètement folle, donc parfois vous pouvez vider votre chargeur sur un ennemi. Donc si vous devez engager deux ennemis, il vaut mieux quand même avoir le maximum de cartouches. Et enfin moi j'ajoute la poignée agent de terrain, parce que j'avais déjà essayé cette arme sans les accessoires au niveau du canon, et je trouvais qu'avec quand même un recul qui était difficile à contrôler. Donc pour moi la poignée agent de terrain est nécessaire. Donc franchement, essayez cette classe, elle fait vraiment vraiment mal, et pour moi c'est probablement la méta actuelle sur Warzone. Let's get ready to rumble! L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Ça va.
approche de votre position. Je conduis. Ennemis déployés dans la zone des opérations. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Se rapproche. Changement de zone de sécurité. Le gaz se rapproche.